Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Starbound V5, Glad Giraffe, chers amis. Et donc on va aller aider sur la planète de base, hein, la planète qu'on était sur laquelle dans la précédente. Hein, sur laquelle on était dans la précédente, plutôt c'est mieux, c'est plus du français. Et on va essayer cette... Oh, c'est pas aussi... Ah si, il faut le poser au pied. Bah oui, logiquement. Oh, si c'est efficace. Hop là. Oh, c'est glauque. C'est quand même efficace, hein, de mon point de vue, c'est efficace. Hein. Hop là. C'est efficace, dans une certaine mesure, c'est efficace en fait. Oh la pauvre. Il y a des trucs que je bute, je sais pas trop quoi encore en fait. Tu peux revenir s'il te plaît, merci. Oh, le retour. Le retour qui blesse, le retour qui fait... Ah, c'est le snowman qui a été buté. Salaud. Ok. Hop, on va garder ça parce que j'imagine qu'en fait c'est les mêmes choses pour chacune des différentes constructions, les différents schémas. Qu'est-ce que je peux virer? Ça, je peux virer pour une carotte quoi. Franchement, j'ai juste gardé le chapeau. Hein, et franchement, donc c'est efficace. Le lapin qui nous avait manqué, chers amis. Bam. Voilà. C'est efficace. J'avais peur que ça ne le soit pas. C'est efficace dans une certaine mesure, ce qui nécessite d'utiliser l'arme de manière intelligente, mais... Mais bon, pourquoi pas. Moi, je pense que j'irai me renseigner prochainement, chers amis, sur un moyen sympathique... de farmer justement les schémas. Quelle est la meilleure façon de farmer les schémas? Hop. Et on verra ça ensuite, chers amis. Hein. Quand on en trouvera d'autres. Hop les. Parce que là, vous voyez, c'est efficace dans une certaine mesure, hein, vraiment. Hein. Vous voyez, ah bah non, c'est bon, ça touche. C'est marrant, hein. Encore une fois, je fais tourner des gens en 4K, mais Starbound, vous voyez, on a tous du mal à le faire tourner en fait. Hein. C'est le jeu de la mort. Hein. Ouais, alors c'est efficace dans une certaine mesure, mais peut-être que ce sera plus efficace dans un groupe, entre guillemets. Hop là. Parce que franchement, il y a... Enfin, comme le fait est que le monstre, en fait, vient vous buter. Donc il est tout le temps en mouvement, il s'arrête pas sauf quand il a un spell qui permet qu'il l'oblige à s'arrêter, par exemple la charge. Alors, sinon faut viser à ses pieds. Intentionnellement, et espérer que le tic fasse suffisamment de dégâts. Faut viser en fait suffisamment près de l'ennemi pour qu'il puisse profiter de la zone de dégâts en fait. Voilà, comme ça par exemple. Après, essayons sur un ennemi peut-être un petit peu plus mobile. Hop, je voulais pas prendre de dégâts. Et encore. Non, on peut se permettre en fait de viser au pied de l'ennemi tant qu'il vous a pas repéré en fait. Hop, parce que là c'est un ennemi particulièrement lent, donc j'aimerais retenter l'expérience.
Et au moins maintenant vous savez comment le crafter. Donc ça se craft, encore une fois je le rappelle. Alors vous voyez. Donc c'est bloqué par le... D'accord, c'est bon à savoir. Hop. Ok. Mais ça peut être aussi efficace donc sur un... Sur un ennemi humanoïde en fait, un PNJ. C'est bon à savoir. Ça passe à travers les portes. Ça c'est pratique. Hop. Ok. Ça passe de l'autre côté de la porte en fait. Ça passe pas à travers, ça passe de l'autre côté. Ah ça c'est pratique aussi. Ça passe derrière le bouclier. Hop là, voilà. Ouais, c'est pas extrêmement efficace non plus, hein, reconnaissons-le, chers amis. C'est pas d'une efficacité suprême. Hein. Regardons dans les coffres, hein, de temps en temps, des fois. Hein. Donc jamais. Je pense pas qu'on en trouve ici. Hop là. Ouais, c'est moyen. C'est moyen, chers amis. Reconnaissons-le, c'est moyen. Bon. Bon, bon, bon. Qu'est-ce qu'on peut faire, chers amis? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être retourner voir, peut-être, des fois, que notre ami le colon ait une quête à nous donner. C'est vrai que je commence à tomber à court d'idées, là, chers amis, hein, de sur quoi faire. Encore un cadeau, pardon. Oh, génial! Des graines de maïs! Trop cool! Bon, bon, bon. Bah tiens, c'est ça qu'on pourrait peut-être faire. Allez voir un petit peu ce qu'on peut faire au niveau de la bouffe, chers amis. Hop. On a amassé quand même assez de quantité de bouffe depuis quelques épisodes. On devrait être à même de... De faire deux, trois petits trucs. Hop. Hop. Voilà. Alors, donc ici on a de quoi cuire, ici on a de quoi... Ah non, je pensais qu'on avait de quoi cuisiner, non il est au-dessus, d'accord. Ok, ça va pas être très pratique tout ça. Donc, dans le menu, nous avons 5 icônes. Donc une icône inconnue, hein. On ne sait pas ce que ça fait. Une icône santé, donc qui elle fait facilite la régène. Une icône vitalité, donc santé, vitalité, vous voyez la différence. Santé, en fait, c'est la quantité de points de vie que vous avez. Vitalité, c'est une statistique comme une autre. Donc ceci, par exemple, vous donne accès à une plus grande quantité de santé, temporairement. Là, c'est pareil, sauf que c'est pour de l'énergie, chers amis, une plus grande quantité d'énergie verte. Et ici, donc, une plus grande vitesse pendant un temps donné. Voilà le principe. Alors, je serais curieux de voir ce que ça donne sa flèche strange, je dois en avoir en plus quelque part. Il faudrait peut-être que je ramène en fait chacune des petits trucs de bouffe que j'ai, enfin des petits trucs que j'ai chopé. Bon, on verra bien. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre de plus sympa à se faire? Faisons-nous un truc pour le fun, chers amis, sans prendre une... Oui, alors ça c'est pas pour le fun, c'est pour la mort. Choconut, delicious choconut. Carrot cake, ouais, bof. Coconut ice cream, ça pourrait être bon ça. Coffee cake. Coffee cake. Ça va nous rappeler de bons souvenirs. Feather Crow Jam, d'accord. De l'alcool, sûrement. Hein. Banano Nacon. Cooked bacon. Ah, cooked bacon. Flat white coffee. C'est bon ça, attendez, qu'est-ce qu'on a avec du café? D'accord, on pourrait se faire un café, chers amis. Mais pour ça, il nous faut justement du café. Est-ce qu'on a une cafetière? Je n'avais pas mis de cafetière dans le... Ah, si, elle est plus bas. Elle est un peu plus bas. Est-ce qu'on avait mis du... Si, j'ai accès à la cafetière, c'est bon. À cause de... En fait, à cause de ça, j'ai pas accès à la... au reste. On va aller voir au niveau de la bouffe ce qu'on a dans le... Dans la soute. Hop.
Là, rien. Là. Ah si, j'en ai vu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter pour ramasser aussi notre bordel. Ça va faire un petit peu de rangement, ça va nous faire un petit peu de... De tranquillité, entre guillemets, dans cet épisode. Ok. Là, j'en vois encore un petit peu. Ok, des graines avec, hein. Je vais récupérer les graines, n'inquiétez pas. Ici aussi. Hop. Ok. Ce côté-là, c'est pas trop trop mal. Ça, je vais le récupérer et je vais le virer. Hop. Ok, ok. Et ici, j'en ai encore un petit peu même. Vous voyez, donc comme quoi. Par contre, je ne comprends toujours pas pourquoi ils n'ont pas choisi de mettre l'interface de tri partout. Ça, je comprends pas. Je ne comprends pas du tout. De la bouffe à foison encore, hein. Génial. Là, on n'a rien du tout niveau bouffe, et ici non plus. Ok, bah écoute, on va passer par là alors. Hop, c'est parti! C'est parti, chers amis! Hop! Alors. Crac. J'ai pas vu de café. Ça m'intrigue. Ah, là, il y a du café. Génial. Accord. D'accord, pardon, excusez-moi. Accord, ça veut rien dire. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ok. Kiwi, ça, je peux pas le mettre. Tomates, c'est bon, ça aussi, ça aussi, ça. Ah, les bananes, je peux pas les mettre, les bananes! Merde, ça, non, ça, je récupère, c'est pas de la bouffe! Ok. Là, j'avais du poulet, mais je crois qu'il était rôti et pas celui-là. Pas un truc comme ça, non? Ah non, raw poultry. Ok. En fait, tout ce qui n'ira pas dans celui-là ira dans l'autre, hein, forcément, chers amis, vous comprenez bien le système, hein. Alors, au niveau des graines, est-ce que j'avais commencé à mettre quelque part des graines ou pas? Ça l'a mis peut-être en dessous. Pas du tout. Ok, bah pourquoi pas? Bah on va les ranger alors. J'aurais peut-être dû les mettre plutôt en bas. J'ai plutôt les mettre en bas, chers amis, sur le principe. Les produits frais en haut, les graines en dessous. C'est du principe RP, entre guillemets, hein, mais. Je suis preneur. C'est pas anodin pour moi en fait. Hop, on referme la porte s'il vous plaît, merci. Alors, j'ai vu qu'on avait du café. Déjà de base, le café on le prend. On le met avec la cafetière. Ça me semble logique, chers amis. De plus. Café. Café. Merde. Ça me semble normal. Ah, puis ça me fait directement la tasse de café, c'est génial. En fait, j'avais des gobelets. J'avais littéralement dégobelé, chers amis. Par contre, je me suis fait 13 cafés. Hein, enfin, 14 cafés, c'est un peu un truc de malade quand même. Hop. Alors, juste pour voir, déjà, sur le principe, est-ce qu'on peut boire le café? Est-ce qu'on peut boire le café? Oui! Bonus d'énergie! D'accord, sympa. On va se soigner quand même un max. Ça me semble logique pour du café. Ok, j'ai pas pris d'autre café. Ça me fait penser que si j'en veux un petit peu, hop, parfait. On y retourne. Hop, on peut se faire un petit gâteau au café peut-être. Ça peut être sympa. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour le gâteau au café? Coffee, parce que ça va sûrement donner de juste. Alors gâteau au café, d'accord. Ça j'ai. Les œufs et le. Ah la vache, c'est du. D'accord. On va prendre du miel. Comment? Du lait. Oh là là. Du miel, ça va plus. Et le lait, je sais que je n'en aurai pas. Le lait, je sais que j'en aurai pas parce que j'en ai pas acheté et le lait ne fait que s'acheter. Alors, pour trouver du lait, chers amis. Ça permet de continuer un petit peu l'explication, l'espèce de tuto bouffe, hein.
Certains éléments ne se trouvent uniquement, je répète, uniquement chez un vendeur. Un bon vendeur, qui a beaucoup d'aliments, c'est celui-ci. Il vous donnera même des graines de café. Oui, des graines de café, entre guillemets. Pas des grains, mais des graines de café, oui, c'est ça. Il vous vendra aussi des boules de viande, des boulettes de viande. Et surtout du lait. Du lait, chers amis, ça c'est incroyable. Par exemple, si vous voulez aller acheter 100 briques de lait, ça coûtera 2000. Voilà, je viens d'acheter 100 briques de lait. Je pense que je vais aussi acheter, hop. Je suis trop bête en plus, je fais pas comme je devrais faire, je vais le faire comme ça. Un petit peu de bacon, alien forcément. Hein. Ah, les voilà donc les fameuses graines d'herbe. Bon à savoir. Bon à savoir, bon à savoir, bon à savoir. Génial. Ah, j'ai pas la place pour prendre le... Alors là, ça m'aurait coûté 2000 pour rien. Ça, j'ai bien fait de m'en rendre compte. Hop, voilà, parfait. Hop. Et donc, on remonte au vaisseau. Et vous avez pu voir qu'on avait du cooked... du cooked bacon. La plupart des mots... Enfin, des objets en cooked, il n'y a qu'un seul moyen de les cuisiner. Vous pouvez toujours chercher dans votre table de cuisine, là, entre guillemets, mais vous ne les trouverez pas. Tout ce qui est cooked, en fait, c'est pas dur. Vous les mettez dans un four. Four au micro-ondes, là. Là, pour l'occasion, c'est un micro-ondes. Et vous voyez que ça cuit. Et ça me donne donc cooked bacon. C'est pareil pour le poulet, c'est pareil pour la viande que j'ai vue tout à l'heure. Mais je ne sais plus ce que j'en ai fait. Là, voilà. Cooked steak. Voilà. Voilà pour la petite information. De ce côté-là. Donc, maintenant qu'on a notre lait, on va se faire un petit café au lait quand même. Hein. Moi, j'ai plutôt considéré que c'est un café noisette, parce que je préfère le café noisette, c'est beaucoup moins de lait. Hop, voilà, et on a notre café au lait. Et on a maintenant appris la recette mochaccino. Voilà. Ah ah ! Il nous faut donc du café, du lait et du chocolat. Donc on va aller acheter du chocolat. Ou alors je vais me le faire pop. Non, je vais l'acheter. Ce sera plus simple. Parce que ça me permet de vous montrer qu'on peut trouver en fait d'autres recettes en cuisinant les recettes déjà de base. Voilà. L'intérêt principal. Hop. Chocolat, chocolat, chocolat. Et voilà, lui normalement il en vend du chocolat. Si je ne me trompe pas. Ah, je me trompe peut-être. Hein. Alors là, chers amis, je suis sur le cul. J'étais persuadé qu'il en vendrait. Je me trompe peut-être de vendeur. Hein. Voilà, lui il en vend par contre. Là, donc ça peut-être une connerie aussi ça. Hein. Peut-être changer à l'avenir. Vous voyez que le chocolat coûte beaucoup plus cher. Je vais donc en acheter que 99. Plus 1, ça fait total. Ça fait au total quand même 100. Voilà. Hop. Ok, on remonte. Et on va donc se faire notre petit mochaccino, chers amis. Voilà, on reprend l'ascenseur. Si c'est pas la classe. Hop, on s'arrête. Bla, on s'arrête pas. On prend un café, j'ai oublié. Il nous faut un café. J'ai pris tous les cafés, c'est ça. Hein. C'est pas ce que je voulais faire. Hop. Voilà, un café. On a encore notre lait. Lait qu'il faudra penser à mettre au frais, hein, si on veut pas qu'il tourne. Normalement, il ne tournera pas dans le jeu. Hein, mais... en vrai, chers amis, il faut penser à le faire. Ok. Et donc, on a notre celui-ci et notre mochaccino qui arrive. Hop, les... voilà, on a un mochaccino, chers amis. Nous avons donc actuellement sur nous... Est-ce qu'on aurait déjà bu l'autre? Voilà. Donc, un flat white coffee. Qui nous donne lui aussi de l'énergie. Et à mon avis, potentiellement, chers amis, le café de base vous donne une certaine quantité pendant une certaine durée. J'aurais imaginé, à l'heure actuelle, que le café au lait vous donne une autre quantité, la même quantité d'énergie en plus, mais sur une durée plus longue. Il y a un coup de téléphone en bas, c'est génial, il y a mon chien qui est en train de gueuler. Et parce qu'en fait, il sert de sonnerie au téléphone, si vous n'avez pas encore compris depuis le temps. Et donc,
à mon avis, le mochaccino lui donnera plus de temps, entre guillemets, sur l'énergie. Donc on va attendre un petit peu, je fais une petite ellipse. Vous allez voir qu'on est déjà à peu près à la moitié. Hop, on verra bien tout à l'heure. Alors, chers amis, pour la petite information, le café simple donne un boost de 15 d'énergie. 15% d'énergie pendant 90 secondes. Le café au lait, le flat white coffee, pardon, donne un bonus d'énergie de 30 pour 90 secondes. Le mochaccino, lui, vous allez le voir tout de suite, hop, donne un bonus de vitesse de 25% pendant 30 secondes, un bonus d'énergie de 30 pendant 105 secondes. Voilà, voilà avec précision ce que vous apportent ces trois boissons. Donc vous voyez, je vous avais parlé d'une espèce d'évolution entre deux, bah écoutez, c'est un peu comme ça. Donc voilà, chers amis, on va se laisser là-dessus avec ma voix qui est partie en couille sur le... Voilà, chers amis! Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce, à la commenter, à la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dans faire trop le lien dans la barrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour notre café, chers amis.